Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 14 juillet 2023, 15h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, vraiment très apprécié. Le bien, le mal, les forces du bien, les forces du mal, dans toutes les religions, que ce soit dans le Coran, dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, dans la Torah, dans des anciens écrits, il est mention toujours, il est mentionné. On fait mention et on en parle beaucoup de ces anges du mal, de cette puissance maléfique. Donc, c'est pas nouveau. Puis c'est réel. Que tu le veuilles ou non, si on en parle depuis des milliers d'années, c'est que ces forces du mal sont présentes dans l'univers, sont présentes autour de nous, comme les forces du bien. Que tu peux être envahi, malgré toi, par les forces du mal, que tu le veuilles ou non, tu vas avoir un comportement et des réactions et des actions qui vont être maléfiques. Tu n'as pas besoin d'être religieux pour comprendre que si tu commets un crime contre quelqu'un, si tu commets un crime contre un enfant, une femme ou qui que ce soit, eh bien, t'es inspiré et t'es, motivé par du mal, des forces maléfiques, négatives, appelle-les comme tu voudras. Mais quand même que t'essaierais de vivre dans un monde d'une bulle aseptisée, gauchistoïde, progressiste, qui n'a aucun sens de « la la land », puis qui prétend qu'il n'y a pas de mal puis de bien, s'il y a quelqu'un qui vient te botter le cul, tu vas te rendre compte que c'est alimenté, puis c'est motivé par des forces du mal, puis tu vas te plaindre. Donc, c'est une évidence. Ces forces-là sont là, elles sont puissantes et elles s'affrontent continuellement. Tu le vois dans la vie de tous les jours, le bien et le mal s'affrontent. Que ça soit chez toi, entre toi, ta conjointe, ton conjoint, ou peu importe ton orientation sexuelle, toi et tes enfants, toi et tes voisins, toi et tes collègues de travail, toi et ton patron, il y a toujours une confrontation. Des fois qui dégénère, des fois qui dégénère pas. Tu le vois dans les confrontation entre les pays aussi, quand il y a des différends, des fois ça finit très très mal. Quand tu envoies une armée ou une coalition sur un mensonge fabriqué de toutes pièces, je parle ici de l'invasion de l'Irak, et que ça résulte dans la mort de plus d'un million d'innocents irakiens au cours des décennies qui suivent, et d'autres morts aussi, je ne sais pas, mais tu as affaire à une force extrêmement maléfique, que tu le veuilles ou non. Et il ne faut pas que tu oublies que les forces maléfiques vont toujours venir se présenter comme des belles grandes beautés qui vont venir te séduire avec toutes sortes de belles paroles. C'est écrit même dans les anciens écrits. Pense juste à l'image d'Adam et Ève et le serpent. Comprends-tu? Donc, c'est très présent. On le voit aujourd'hui, les forces du mal sont encore plus envahissantes et on pourrait presque avancer sans se tromper qu'elles dominent partout et elles dominent même les forces religieuses, qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes. T'as qu'à regarder le Vatican, l'opulence de ça, la décadence, tous les scandales sexuels qui frappent le Vatican, toujours et toujours, un monde rempli d'hommes, puis tous des hommes torturés, un pape communiste en ce moment qui a infiltré toute l'Église catholique de communistes. Je ne parle même pas des deux autres religions parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais les forces du mal sont partout. Et elles contrôlent des gens comme Klaus Schwab, des gens comme Bill Gates, toute l'élite
industrielle, l'élite commerciale, l'élite politique, l'élite financière, l'élite artistique et l'élite médiatique sont toutes contrôlées par des forces du mal. On peut dire sans se tromper qu'on vit dans l'ère vraiment généralisée du mal. Regarde les comportements, regarde les agendas qu'on fait avancer. Regarde les logos qu'on te met dans la face aussi. Regarde le comportement du système face à la population, face au monde ordinaire, face aux familles, face à la liberté d'expression, face au droit de penser, face au droit d'être religieux, d'être croyant. T'es attaqué de toutes pièces. Imagine-toi. On utilise aussi, on le sait, il y a le fameux chiffre de la bête 666, le fameux 666 qui est décrit dans les anciens écrits et qui est partout maintenant. Imagine-toi, tu as même la dernière application de Facebook, qu'on appelle Meta Corporation maintenant, Threads. Ben, je sais pas si tu le vois, là, mais quand même que tu essaierais de le cacher dans une forme vraiment enfantine d'art, là, ici, là. Ben, tu vois les 3-6 qui sont là. Tu le vois chez CERN, tu le vois au World Economic Forum, tu le vois partout. Partout, les logos symboliquement représentant le diable, la bête, dont il est question dans les anciens écrits. Tu peux aller voir, il y en a plein, plein, plein. Tu as ici même Toyota avec un logo qui vraiment cache un message. On pourrait même voir ici une forme de corne. Hein? Tu as le fameux logo de Threads ici, dont le New York Times rapporte aussi l'étrangeté. Ici, on a, regarde, le de Chrome. Ça, c'est celui de Thread, encore une fois. Celui de Chick-fil-A, celui de... il y en a plein, plein. La recherche est facile à faire. Tu en as plein. Shutterstock, c'est plein, plein. Même chez Walt Disney. Hershey's Kisses, tu vois ici, espèce de message vraiment satanique. Et c'est plein. Si tu fais ta recherche, tu vas en trouver tellement, tellement, tellement que c'est en plein dans ta face. Et on a des agendas tellement tordus qu'on avance et dont on fait la promotion. C'en est complètement scandaleux. Imagine-toi, on en est même rendu à des espèces de torsions de l'esprit où tu as le CDC qui donne des conseils aux personnes trans qui allaitent les enfants. Ils sont accusés de ne pas avoir pris en compte les risques possibles pour la santé. The New Vagina Manual. C'est quand même assez spécial, là. Le site web officiel du fameux CDC, le Centre des contrôles des maladies et prévention des maladies, a publié des conseils pour les personnes trans non-binaires sur la recherche de conseils sur la façon de nourrir leurs nourrissons. Dans les sections des directives du principal institut de santé de l'allaitement maternel, il contenait des informations pour ceux qui se font retirer une grande partie des seins lors d'opérations de changement de sexe, ou pour les hommes biologiques prenant des hormones pour faire grossir leur sein et sur la façon de nourrir leur nouveau-né. Est-ce qu'on se comprend bien ici? Cependant, plusieurs médecins ont critiqué les conseils non seulement parce que le CDC a semblé guider les hommes biologiques sur la façon d'allaiter des enfants, mais parce qu'ils ont affirmé que le CDC n'avait pas réussi à évaluer les risques posés aux enfants buvant du lait par des produits chimiques utilisés dans la médecine de changement de sexe. D'après ce que j'ai lu, il est évident que le CDC a placé la politique et son programme social avant la science de santé des nouveau-nés. Aïe, aïe.
Waouh! Faut le faire pareil. On est rendu là. Dans tous les domaines, toutes les facettes de la vie. Je ne sais pas, mais on est sûrement à l'apogée de cette force maléfique-là. Il va y avoir une confrontation. C'est impossible que ça puisse continuer comme ça. Comment cette confrontation-là va avoir lieu, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il va en avoir une. Est-ce que ça sera à partir de la population qui va se lever et qui va crier « Assez, c'est assez ». Est-ce que la confrontation va venir de la révolte du monde ou va venir d'un certain groupe qui va s'organiser, je ne sais pas, mais c'est certain qu'il y a une confrontation qui est imminente entre les forces qu'on peut qualifier de maléfiques, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes pour ça, puis les forces du bien, celles de la raison, celles du laisser-vivre et laisser-vivre dans le sens où il faut qu'il y ait une forme de liberté, oui, surtout liberté de parole et liberté de penser différemment, mais qu'on reste dans la normalité de l'équilibre mental et de l'équilibre social et l'équilibre biologique. Et qu'on, enfin, mette l'accent sur toutes les inégalités, sur toutes les injustices qui ont été causées par ces forces maléfiques qui nous gouvernent depuis trop longtemps, qui endorment le monde depuis trop longtemps. Il faut que ces forces maléfiques-là, faut qu'on les arrête de posséder toute la planète, posséder toutes les ressources naturelles, de, comment dire, exploiter toute la population mondiale à son unique profit, de la lancer dans une misère jamais vue encore, pendant que ces gens-là sont dans l'opulence décadente. Vraiment, chers amis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent, sans compter toutes celles qu'on ne connaît pas, puis qui s'en viennent aussi, des cataclysmes, des catastrophes, tout ce que tu peux imaginer. Une dernière nouvelle qui va dans ce sens-là, le monde, le Washington Post nous rapporte que le monde ajoute 165 millions de pauvres supplémentaires alors que la dette consomme les fonds des gouvernements. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, une série de chocs économiques pénibles au cours des trois dernières années. C'est ça, il y a eu la pandémie puis les confinements. On a envoyé le monde dans la misère pendant que les gros continuaient à opérer et avaler tous les petits qui étaient fermés. Ça, c'était le grand reset du Forum économique mondial, le grand reset de Justin Trudeau, c'est d'envoyer tout le monde dans la misère, puis de faire le transfert le plus scandaleux de richesse de l'histoire d'humanité. Le plus grand vol de richesse de l'histoire d'humanité qui est parti des poches des pauvres vers, encore une fois, les poches des riches. Vers ces forces maléfiques qui viennent à la télévision d'une façon très sexy, te dire qu'ils sont là pour toi, qu'ils vont éliminer la misère, qu'ils vont éliminer la ceci et la cela, puis qu'ils vont mettre plus d'équité, plus d'inclusion dans tous ces agendas complètement tordus. C'est surtout ça qu'ils veulent faire. Pas enlever la misère du monde, ils veulent t'amener dans plus de décadence. Pendant qu'eux autres, ils se remplissent toutes les poches et ils viennent te séduire, comme le serpent le fait avec Adam et Ève. Ils viennent te séduire, puis ça marche encore, ça va marcher combien de temps? Je ne sais pas, mais je peux te dire une chose, il y a tout un combat qui s'en vient, ça ne peut plus continuer comme ça. Il va y avoir un équilibre qui va s'effectuer, orchestré par qui? Probablement le grand maître, lui-même. Je vous reviens.